Les premiers quelques matchs de la saison, on n'était pas assez dur, on n'était pas assez physique avec les autres équipes. Sur les rebonds, sur la défense, sur l'attaque, je pense que les dernières deux semaines, on a bien travaillé dans l'entraînement. L'intensité qu'on a besoin en attaque et l'intensité qu'on a besoin en défense aussi. Et ça se voit dans les matchs, donc on a besoin de tenir ça et d'amener ça avec nous, spécialement quand on ne joue pas à domicile aussi. On a été rassuré. Maintenant, je demande que ça soit confirmé. Quoi. Je suis intimement persuadé. Alors, c'est le coach qui vous dit ça, c'est normal. Je suis intimement persuadé que les deux bonnes performances qu'on vient de faire, c'est pas des accidents. Bon, ça a été construit. On avance tout doucement. Maintenant, il ne faut pas faire un pas en arrière. Alors, sans parler de résultats. Mais je le répète, comment on va défendre sur le repli défensif, les 1 contre 1, parce que eux, ils marquent. Alors, je ne vais pas dire 2/3, c'est beaucoup, mais quasiment la moitié de leur panier sur des 1 contre 1. Donc, il va falloir tenir les duels et les deuxièmes chances, c'est-à-dire le rebond. Je veux dire, très honnêtement, sur ces 3 secteurs-là, il faut qu'on en oublie au moins 2. Quoi. Le but du jeu, c'est de faire un bon mois de décembre. Je vous avais dit qu'il y avait 6 matchs importants. On va essayer de faire la plus longue série qui soit. Et si ce n'est pas une série ben, et qu'on est arrêté à un moment donné, c'est de repartir sur une série. Il y a 6 matchs au mois de décembre, 4 à domicile. Ceux-là, il faut absolument les prendre et puis en prendre un ou deux, enfin au moins un à l'extérieur. Donc si tu arrives à faire ça, c'est que tu as fait un très très bon mois de décembre. On va aller prendre les uns après les autres. Là, on va à Vichy. Ça va être un adversaire très très difficile parce qu'il est solide. Voilà, on va voir ce qu'on a dans le ventre après le mois de décembre. Ouais, ça va être le cas avec eux. Ils sont premiers dans les rebonds, ils sont bien en attaque aussi. Ils sont une équipe athlétique. Donc, honnêtement, ça va être un match vraiment collectif qu'on a besoin de jouer ensemble, défensivement, au fond, donner tout ce qu'on a à 100%. Et partager la down en attaque et comme j'ai dit tout à l'heure, de jouer avec l'intensité qu'on a besoin parce que ça c'est vraiment la clé, spécialement quand tu joues pas à domicile. Bon, n'oubliez pas hein, les 3 choses qu'on a besoin. Il faut de la concentration et des efforts. Repli défensif, il faut être concentré, pas aller et faire des efforts pour revenir. Les 1 contre 1, ça c'est effort individuel, pas que mais aussi individuel. Et les rebonds. Il faut pas y penser de temps en temps. C'est à chaque fois qu'il y a un putain de tir, les gars, il faut toucher quelqu'un. Every time there's a shot, you gotta hit somebody and get 3 choses. Ok. Départ 15h45, soyez pas en retard. Tout à l'heure. Allez, gars. Ensemble. Ensemble. Donc, on arrive à